Donc on permet à toute notre expérience d'être vue à la lumière de la vibration qu'elle est. Et ça inclut bien évidemment notre corps. Comment est-ce qu'on s'en rappelle? Le désir est lancé, donc on n'a rien à faire. On a juste à respirer les effluves de ces vibrations de désir, qui est notre volonté de ne plus être seul. Notre volonté de retourner l'expérience de la solitude et de la séparation et de la division et des différences sur une respiration d'unité, une respiration qui réalise que la confiance est le meilleur choix, la permission est le choix le plus utile, l'accueil, l'acceptation de l'expérience, le non-jugement, la pause plutôt que la réflexion. Je mets des mots sur ce que la respiration sait. Donc je vous invite à faire confiance à ce qui est en train de se passer, apparemment à notre insu. Donc plutôt que réfléchir ou envoyer des images, le verbe goûter est excellent. Je goûte à la respiration, je goûte à la sensation d'être assis, par exemple. La sensation, c'est du pur tactile, c'est du pur goûter. Je parle très souvent à l'infinitif de plus en plus, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus juste. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui respire, il y a respirer qui respire. Il y a parler qui parle et entendre qui entend. Puis il y a être d'accord qui est d'accord et ne pas être d'accord qui n'est pas d'accord. Tout ça des idées très impersonnelles dans un grand esprit, au-delà de l'impersonnel et du personnel. Ce que nous faisons par cette respiration, par ce goûter, par cette confiance, c'est une faille dans l'expérience mentale du monde. Pourquoi on fait une faille? Pour faire un canal, une ouverture à la lumière de l'être, la lumière de la joie, la lumière de la connaissance que nous sommes de toute éternité. Nous faisons une faille dans le temps, dans le tissu linéaire du temps, pour insuffler en fait, par l'inspire et l'expire, le souffle de l'éternité. Derrière ces bons mots, je parle tout simplement de qui nous sommes, maintenant. Voilà tout ce qui se passe dans cette respiration, si vous voulez bien qu'il s'en passe ainsi. C'est-à-dire la bonne volonté de ne pas rajouter, de se laisser faire, de s'abandonner, de faire confiance dans une respiration dynamique, vibratoire et guérisseuse. Sentez comme votre expérience du corps change. D'une respiration à l'autre, ma notion de corps change si je la regarde de près. Ce sont des sensations quand je regarde de près. C'est du pur goûter, c'est pas du comprendre intellectuel. Ça peut être des images de corps. Mais goûter en sait beaucoup plus que savoir ou penser. Et donc, commençons ensemble facilement à s'installer dans une position, on va dire, d'observateur, mais un observateur qui est un verbe, et ce verbe, c'est goûter. Voyez que vous goûtez à mes paroles, à la sensation auditive que sont mes paroles et qui arrive dans votre espace conscient, à la sensation tactile d'être assis, à la sensation tactile et vibratoire de respirer. On s'installe tous dans cet observateur conscient qui goûte. Donc goûter est un verbe, goûter est une participation, goûter est une extase, est une autorisation. Nous goûtons les couleurs vibratoires de tout ce qui se passe, de tous les sens. Et comme cette
Méditation, exploration, rappel, est chargé justement de l'énergie du rappel, de l'énergie du vrai désir du cœur. C'est la confiance qui continue, qui est en train de parler, qui est en train d'entendre aussi. C'est elle qui prend soin de notre journée, de nos méditations. Alors vous laissez libre cours à ce qui se passe, il n'y a pas de règle. Moi, je vous invitais à porter votre corps dans votre conscience. Il y a l'expérience d'avoir la conscience dans le corps, c'est une expérience. Elle a également sa phase retournée, si vous voulez. Le corps est dans ma conscience. Si on prend la position de l'observateur goûtant et de ce goûter confiant, on s'aperçoit que nous goûtons au corps, mais le corps ne nous goûte pas. Nous goûtons à la sensation auditive qui s'appelle la parole de Laurent, mais la parole de Laurent en tant que sensation auditive ne nous goûte pas. Être assis, nous goûtons la sensation qui s'appelle être assis. Être assis ne nous goûte pas. Plus je m'installe dans le verbe et l'être que je suis, plus je m'aperçois que l'envie de penser me quitte et l'envie de résoudre des problèmes qui n'existent pas me quitte aussi. Je m'installe dans ce qui est déjà paisible, dans ce qui est déjà tranquille et dans ce qui n'est pas mort, ce qui est totalement, c'est un goûter total. Regardez que tout est goûté. Tout ce qui est écouté est goûté, tout ce qui est vu est goûté. Bon, les yeux fermés, c'est peut-être des images en fait qui viennent, mais les yeux ouverts, vous en faites pas, c'est des images de perspective qui apparaissent. Au verbe goûter, c'est un subtil changement qui est justement le retournement du gant, de la position de là où je me place. Mais ce gant à l'envers ou à l'endroit ne change en rien le fait que vous êtes. Et que vous êtes le verbe goûter aussi. Ou que vous êtes témoin du verbe goûter pour les plus puristes d'entre nous. Donc vous goûtez maintenant à tout le corps. Et je vous invite à faire comme vous pouvez pour jouer, pour vous amuser avec le fait qu'on a une respiration par les narines qui rentre dans le corps et qui fait du bien. Il n'est pas question de l'arrêter, bien sûr. Mais on peut également, si on prend la position de l'être conscient qui observe et qui goûte, on peut également associer respirer au verbe goûter. Ce qui veut dire que j'inspire, j'expire toute mon expérience maintenant. C'est vrai, c'est une redéfinition avec de nouvelles valeurs pour le verbe respirer. On a un souffle qui n'a plus besoin de narines, en fait. Ou pour les plus enfants d'entre nous, vous pouvez imaginer des espèces de narines géantes dans lesquelles vous inspirez et vous ressoufflez le monde. Ça marche aussi. Ça marche aussi parce que tout est une histoire de but, d'émerveillement et de désir, et qu'est-ce que nous voulons derrière tout ça. Tout ce que nous faisons, toutes les images n'importent pas en fait. C'est pourquoi nous les faisons. Je rappelle que nous nous tenons la main et nous désirons nous connaître par-dessus tout. En tant que l'espace conscient qui accueille et qui goûte toutes les vibrations qui forment l'expérience que nous appelons le monde. Continuez d'embrasser, de marier la respiration physique, la respiration énergétique, la respiration vibratoire à la respiration de l'être. Laissez tomber toutes les définitions, vous allez voir des petites pensées, des petits mouvements qui vont vous dire « j'y arrive pas, je sais pas, je suis pas sûr, qu'est-ce qu'il veut dire, est-ce que l'autre y réussit, est-ce que moi je rate ?» Tout ça, c'est également une vibration. Donc ça aussi c'est respirer, c'est observer, c'est conscientiser, c'est embrasser, c'est goûter. Donnez-vous l'autorisation, la chance,
la joie de goûter à tout ce qui se passe sans aucune préférence. Vous voyez comme être ou être conscient n'a pas de préférence pour ce qui est goûté. Remarquez tout ça. On n'a pas besoin de faire d'effort pour remarquer. On s'aperçoit que Laurent peut dire des belles choses, Laurent peut dire des grossièretés, Laurent peut ne rien dire. Être, goûter ou même entendre n'est pas affecté. Revenez au verbe sentir pour faire quelque chose de plus ancré ou corporalisé, pour parler de ce qu'on a vu hier. Regardez que sentir n'est pas affecté par une douleur ou un souffle de joie. Sentir sans la joie comme la douleur. Sentir sans le fait d'être assis. Entendre ma voix. Regardez que entendre n'a pas de préférence, sentir n'a pas de préférence. Tout ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure sur les ailes de votre vrai désir ou de notre désir joint, c'est de bien vouloir s'installer dans ce qui est déjà tranquille, ce qui est déjà en paix, une neutralité joyeuse. Et vous pouvez adopter, si ça vous parle seulement, l'infinitif de tous les verbes. Goûter, sentir, entendre, voir, et vous pouvez même y ajouter penser, imaginer, ressentir. Peut-être vous pouvez goûter déjà à la paix vibratoire, qui est une reconnaissance qui se trouve dans la non-conjugaison des verbes. Nous nous rasseyons, comme je dis souvent, dans notre réglage usine. On fait un reset ensemble aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on se tient la main ou qu'on joue avec ses vibrations, on fait un reset sur ce qui va toujours bien, sur ce qui est là, sur ce qui ne bouge pas. Mais ce qui est actif comme un verbe. On voit bien que entendre n'est pas quelque chose de mort. Il n'a pas de préférence, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Pareil pour sentir. On continue de respirer. Donc c'est vraiment une redéfinition de tout ce qui se passe, du verbe respirer, du verbe goûter, de notre expérience. Nous redéfinissons notre expérience. Si vous voyez des résistances à jouer avec toutes ces images et tous ces nouveaux concepts, ou plutôt toute cette nouvelle façon de voir le monde, il n'y a ni bien ni mal là-dedans. Vous ne ratez rien. On ne peut pas rater cette méditation. Rater est un concept désuet. En revanche, vous pouvez voir des résistances qui sont une vibration, à vous détendre dans ces nouvelles définitions, ou plutôt à jouer dans la vibration de ce qui est proposé. Il n'y a pas de règles qui sont proposées, ce sont toujours des invitations. Mais cette résistance, on peut la voir. Elle peut s'appeler, par exemple, la vibration de « je sais et je contrôle ». Je sais que respirer ne se passe que par le nez, le reste c'est un peu superflu, uluberlu, un petit peu fou. Pareil avec cette histoire d'infinitif. Pareil avec cette histoire de conscience présente et respirante. Tout cela est bien bizarre. Il n'y a aucun problème, je vous invite à, même s'il y a des doutes, et s'il y a un peu de résistance, je vous invite à les embrasser. Qu'est-ce que ça veut dire les embrasser? C'est-à-dire choisir de les laisser être, tout simplement. En choisissant de les laisser être, je choisis de ne rien rajouter
sur cette volonté de faire comme avant. Ce désir de ne pas changer. Il est très important de le voir, de le goûter, de le reconnaître et de l'embrasser par le laisser être. Comme ça, on arrête d'y rajouter quoi que ce soit et la colle qui est là dans toutes ces idées de contrôle, de comprendre, de « je sais ». La colle, c'est la colle de notre croyance. Et la colle de notre croyance, c'est la colle de notre désir d'expérience. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous ici, ce matin, aujourd'hui, pendant ce séminaire. C'est-à-dire que ce qui vous guide, c'est l'autre désir. Le désir de confiance, justement. Le désir de lâcher prise. Le désir de vous amuser cosmiquement avec votre corps, vos relations, votre nourriture, votre expérience. Vraiment, le désir de voir différemment. C'est-à-dire le désir de penser différemment, le désir de faire différemment, qui ici ne cherche pas la facilité, la fluidité ou la joie. L'invitation de ce séminaire, c'est une invitation vibratoire à embrasser l'ancien désir avec toutes ses progénitures, de maintenir les choses telles qu'elles sont, telles que je les connais, telles que mon intellect, mon passé, ma société et mon journal de 20 heures me le dit. Parfois, le journal de 13 heures, ils sont plus sympathiques. Je regardais la télé il y a 18 ans encore, je me rappelle, ils étaient sympas. 13 heures. Peut-être parce que mon regard était plus sympathique à 13 heures qu'à 20 heures. J'ai toujours une question de regard. Donc tout ça, c'est de l'invitation à jouer, à prendre la vibration, l'énergie de « je suis sérieux, la vie est sérieuse », attention, il ne faut rien rater, à détends-toi mon coco. C'est aussi une vibration et un regard. Quand on se tient la main, c'est ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on se détend? On se détend parce qu'on sait qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de problème? Mais parce qu'on se tient la main. Pourquoi il n'y a pas de problème quand on se tient la main? Parce que très profondément dans l'esprit, qu'on en soit conscient ou pas, le désir d'être seul est en train de se défaire. Si le désir d'être seul était vrai, jamais je ne voudrais l'amour. Jamais. Si le désir d'être seul était vraiment ma respiration primaire, la haine serait ma maison. Et je serais très content dans la haine, dans le passé, dans le jugement et dans toutes les comparaisons. Mais je suis ici ce matin. Et je reconnais facilement que le vrai désir de mon cœur, il est de m'amuser, il est d'être un, il est de me reconnaître en l'autre et il est de passer à autre chose comme expérience. Vous n'avez rien à faire à part écouter. Mais cette écoute, elle est active parce qu'elle respire. Elle respire parce qu'elle englobe, elle caresse nos intestins. Elle caresse nos genoux, nos jambes, par cette respiration lumineuse et vibratoire. Je rajoute guérisseuse parce que c'est ça la guérison. La guérison, c'est l'influx de tout va bien dans chaque recoin de notre expérience, dans chaque recoin de notre corps, par exemple. Tout va bien. Et quand ça semble aller mal, tout va bien parce que je suis conscient de l'idée que tout va mal. Cette conscience qui en est consciente, c'est ce fameux observateur qui est beaucoup plus large, ces narines géantes qui respirent et qui inspirent et qui expirent la joie de la volonté de se connaître soi. Tout y participe. Sentez le contentement des fesses sur la chaise. Goûtez à la pure sensation qu'est l'expérience d'être assis. Là, nous ne sommes pas mental ni intellectuel, nous sommes purement tactiles. On est de plus en plus près de l'expérience. Il n'y a pas de séparation entre le verbe goûter et la sensation d'être assis.
Est-ce que vous voyez un endroit où sentir ou goûter s'arrête et être assis commence? C'est votre enfant, votre cœur ou votre ventre qui va me répondre. Ce n'est pas votre tête, parce qu'elle est larguée là-dedans. Et vous pouvez juste remarquer quelle est votre expérience directe, comme un scientifique enthousiaste. Non, effectivement, je ne vois pas un endroit spécifique où sentir s'arrête et être assis commence. Et là, je suis dans la piste tactile de toute notre expérience. Si vous restez dans la piste visuelle et vous avez l'image d'un corps qui est assis sur une chaise, est-ce que vous voyez une ligne de séparation entre voir et cette image? C'est-à-dire un endroit où voir s'arrête et l'image commence. Pareil avec un endroit où sentir s'arrête et la sensation commence. Pareil avec un endroit où entendre s'arrête et la voix de Laurent commence. Là, très certainement, le mental habitué à tout définir va vous amener des images d'oreilles, de salles et de Laurent là-bas et de moi ici. Mais un enfant confiant veut bien remettre ça en doute et voir qu'il n'y a pas de séparation entre entendre et Laurent, entre goûter et être assis, entre observer et le monde et l'image du monde avec tous ses sens qui apparaît au sein même de cette conscience. Ce pointeur de non-séparation, c'est la paix, c'est la bascule dans la détente. Pourquoi je suis détendu? Parce que tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que la séparation n'était qu'une idée. La séparation entre mes frères et mes sœurs et la séparation entre l'observateur et l'observé. Rien de mal à cette idée. Mais quand on la regarde de près, une grande détente commence à s'installer. Une respiration plus lente, plus englobante. Continue de jouer et d'embrasser le corps ainsi que tout le reste, à partir d'une position plus large, plus en recul, en quelque sorte, de l'expérience, totalement infinitive, à l'infini ou à l'infinitif. Pas de conjugaison parce qu'il n'y a pas de je qui entend ce que entendre entend. Ils valent soi de ne pas comprendre mes paroles, de les goûter, de les reconnaître. Non pas comme Laurent qui parle là-bas, mais comme une couleur de parler. Dont vous devenez conscient. Je vous invite à ne pas arrêter la respiration physique. Et à continuer consciemment à gonfler le ventre à respirer. Videz le ventre et expire, pour que vraiment toutes les phases de notre expérience participent à cette unification, cette verticalisation de l'expérience. Comme ça, l'amour est complet. Il est reconnu comme complet et tout ce qui lui apparaît en lui est reconnu comme lui-même, comme respiration consciente. On peut déjà goûter, si on le remarque, la texture du silence qui vient embrasser l'expérience maintenant. On peut faire deux choses avec, on peut l'offrir à notre corps ou on peut offrir notre corps à ce silence. Les deux sont valables.
Moi, je répète tout le temps de ne pas se rappeler ou faire des efforts pour comprendre, pour connaître, pour vivre. Parce que tout est inclus dans cette respiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout est respiration, la connaissance que nous échangeons est un rappel que tout est. Le mot « tout est » jusque là, à la liaison. Le savoir que tout est la toute connaissance. On la reconnaît, elle a non-envie de rajouter quoi que ce soit derrière. Donc cette connaissance n'appartient pas à quelqu'un. Il n'y a pas d'élève ni d'enseignant dans tout est. Ça voudrait dire, si on pousse un tout petit peu le bouchon, que l'air que nous semblons respirer, le corps que nous semblons avoir, ne sont rien d'autre que des phases de cette toute connaissance, parce que tout est justement. Si tout est, on ne peut pas dire tout est sauf le moustique. Je veux dire tout est sauf mon genou, par exemple. Non, tout est. C'est beaucoup plus joyeux que je sais tout. Parce que c'est beaucoup plus vrai. Tout ce qui reste quand on s'ancre là-dedans sont des couleurs de confiance et d'abandon. Parce que tout est, si tout est, ça, tout est déjà là. Même si je ne le vois pas, même si je ne me rappelle pas, tout est déjà là. Parce que tout est. Tout est, c'est l'impossibilité du passé et du futur. C'est l'encre totale et complète dans le moment présent. Mieux que ça, c'est l'identité avec le moment présent. C'est la phase de l'être observant et respirant dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des grands mots pour quelque chose de très simple. C'est tout simplement ce qui écoute mes paroles maintenant. Et qui s'est fait croire que c'était le corps et les oreilles qui écoutaient mes paroles. Regardez, écoutez comme il est doux de ne plus se savoir et juste d'être. Sans séparation, sans définition, avant toute compréhension, avant même toute perception, il y a cet espace, il y a cette prairie. Il y a cette verdure qui n'en finit pas. Dans laquelle et par laquelle nous sommes tous joints, nous nous reconnaissons tous comme la même chose, le même être, le même sourire, la même conscience. Considérez-vous parlant en ce moment, à travers l'expérience qui est encore là un tout petit peu, d'un Laurent à une certaine distance, une personne apparemment différente. Nettoyez l'image Laurent qui représente rien d'autre que l'image autre, différent et distance, et voyez qui
qu'il n'y a que vous en tant qu'être présent, conscient, embrassant, goûtant, respirant toute son expérience, toutes les couleurs de ses phases. Quand on fait ce reset ensemble, c'est tout notre univers qui fait le reset avec. Parce qu'il n'y a pas un univers en dehors de notre perception. Et s'il n'y a pas un percevant et un perçu, nous sommes la perception tout entière. Ne me croyez pas, sachez-le. Je vais faire comme Morpheus et Néo maintenant. Sachez que vous êtes toute la perception. Tout simplement parce qu'il peut parler votre nom. Pour voir quelque chose apparaître, il faut l'être. Derrière, bien, pas bien, et les différentes vibrations arrivent après. Là, on fait le reset dans le réglage usine. Je suis ce que je suis et tout est. Remarquez avec gratitude la facilité ou le non-effort avec lequel ou avec laquelle vous n'avez pas envie de penser. Ce n'est pas une petite chose. C'est la fin du monde. Le monde de la perception est en rapport direct avec mon envie de penser. Quand je ne crois plus une seule de mes pensées, hop, le monde s'évanouit. En lumière, amour, connaissance et joie. Tout est vu comme du code, dans lequel je me meus maintenant en tant que code et en tant que conscience observante. Partie du flux ou partie du code, et là est le code tout entier, la perception tout entière. Remarquez que le ventre et le genou savent ça. Il n'y a rien d'autre comme guérison que la reconnaissance du vrai, qui est lumière, qui est joie, qui est paix, qui est fluidité, qui est non agissant, qui est non choisissant. Il n'y a pas de choix dans le monde. Choisir, on en parlera aujourd'hui, choisir est juste une vibration. C'est une idée. Cette idée s'appelle « je choisis » ou « je décide ». C'est une idée. Vous ne choisissez pas d'être. Vous ne choisissez pas de respirer. Vous ne choisissez pas l'infinitif. Le choix arrive, l'idée du choix arrive quand on conjugue, quand il y a quelqu'un qui respire. Il n'y a rien de mal, c'est juste une expérience. C'est une vibration. C'est un niveau d'esprit. Maintenant, on laisse cette paix imbibée, embrassée joyeusement tout notre corps, toute notre tête, notre cœur tout entier. Notre cœur s'ouvre pour recevoir la reconnaissance de lui-même partout, dans toutes les directions. Comme si on plaçait le centre de notre attention, non pas derrière nos yeux physiques, mais dans notre poitrine. C'est déjà une belle image. On peut même descendre dans le ventre. C'est une image encore plus ancrée. Encore plus éloignée du contrôle de la tête. Tout cela est très symbolique. Mais le monde lui-même est un monde de symboles. Les sensations sont des symboles aussi. Rien de froid, de neutre ou de négatif, n'est-ce pas, quand on utilise les mots symboles ou illusion ou code. Au contraire, c'est la joie et la liberté.
c'est pouvoir jouer au monde sans en être. Mais jouer au monde, c'est jouer au monde sans séparation. C'est être l'enfant qui accueille totalement toutes ses émotions. C'est l'ancrage complet dans le corps. C'est apprécier toute son expérience, tous les différents termes, les différentes phases du verbe goûter. Vous voyez, on fait des allers-retours comme ça entre des positions qui sont très utiles pour nous. On avait la position d'un être mental qui résistait, qui voulait savoir. On est passé à un être mental qui s'ouvre, qui s'abandonne et qui lâche prise. Et qui lâche prise de plus en plus, qui fait de plus en plus d'espace par son choix de bonne volonté et d'abandon à la lumière de l'être qui englobe et qui est tout. Voilà en résumé les trois phases de choix que nous avons. Ce sont des choix de position. Contrôler, résister, décider, s'abandonner, faire confiance, accueillir et être ce qui est. Les bouddhistes résument ce chemin dans une citation assez connue en disant « Au début, la montagne est là. Pendant l'éveil, la montagne disparaît. Et après l'éveil, la montagne revient. » Dans notre vocabulaire, le monde est solide parce qu'il est réel. Le monde est de moins en moins solide parce qu'il n'est pas réel, il n'est que ma croyance. Et quand je reviens dans le monde, je ne vois plus que l'être. Et j'embrasse toutes les différentes couleurs du moment présent, les différentes couleurs de l'être. Le moment présent, c'est le moment, c'est le cadeau que je me fais à moi-même.